Ben, c'est plus rassurant de faire en simulation avant de le faire la première fois dans une chambre avec un patient. C'est ce qu'on disait, là pour le coup, on a le droit à l'erreur, on peut faire presque n'importe quoi, ça reste du virtuel. Donc on s'exerce et une fois avec le patient, on a toujours le droit à l'erreur, on va dire, on est encadré, mais on a cette expérience virtuelle qui nous permet de... De réajuster. Voilà. On est en troisième année, certains d'entre nous l'ont déjà fait même plusieurs fois. Il y en a qui n'ont pas du tout fait, et encore plus quand on est en première ou deuxième année, où là on part vraiment de zéro. Donc là, je pense que c'est vraiment intéressant quand on l'a jamais fait, on n'a jamais fait de stage de médecine où on pourrait faire ce type de soins, où là on s'entraîne et puis avant d'aller en stage, on est au taquet avant d'y aller. Donc ensuite, l'objectif premier de Caesario Diem, c'est de ne pas surajouter la formation qui est déjà très 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 dense sur les 3 ans. Donc c'est vraiment de trouver des moyens de l'inscrire stratégiquement dans la progression pédagogique de chacun des semestres. En l'occurrence, chaque Caesario Diem fait appel à des connaissances théoriques en lien avec une compétence phare d'un semestre. Donc il se situe en fait en qualité d'enseignement à part entière dans le cadre d'une unité d'intégration en fin de chaque semestre. Quand on met en place, alors en particulier les Serious Games, on apporte vraiment une attention particulière au contenu de notre débriefing. Et c'est vraiment ça l'objet de notre travail de formateur, de penser le débriefing, alors le briefing aussi, mais le débriefing pour qu'il soit apprenant et qu'on soit vraiment dans la compétence. Hein, vraiment, On a utilisé du temps de TD pour travailler en petits groupes avec les étudiants, sachant qu'à Niort, tous les formateurs sont formés à la simulation en santé et que ça fait partie du projet Institut depuis 2015 de déployer la simulation toute forme au CHU, au CH Niort et donc au centre de formation paramédicale. Bah déjà, c'est différent, ça change des cours en amphi, ouais. Pour le coup, ou même des TD qu'on fait différemment. Donc, dès qu'on a une nouvelle méthodologie, ouais, c'est plus engageant. C'est toujours bon à apprendre, ouais. En tout cas. Et puis, c'est une technologie qu'on connaît peut-être plus que certaines générations. Donc, c'est un environnement plus familier et ouais, ça peut aider et c'est motivant forcément. Après, en termes d'engagement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, ils sont motivés pour ces méthodes d'apprentissage. Donc, on peut supposer que, puisqu'ils sont motivés et engagés en termes d'apprentissage réalisé, ça va ancrer certains éléments. Pour tout ce qu'ont dit les étudiants là, ça leur permet d'avoir moins peur, d'avoir droit à l'erreur, d'avoir droit à s'entraîner une fois, deux fois. On sait bien que l'apprentissage, c'est la répétition. Hein, et tout ça aiderait effectivement à être efficace et beaucoup plus efficace. Et de faire des soins de qualité parce qu'on est là pour le patient. Hein. Donc l'idée c'est de former des professionnels qui font des soins de qualité et de les former au mieux. Et aujourd'hui je pense que franchement la simulation en santé, quelle qu'elle soit, c'est des outils vraiment qu'il faut utiliser le plus possible.